Bonjour, je suis Ryo Takatsuki et bienvenue sur cette Odyssée d'Assassin's Creed. Assassin's Creed Odyssée, quoi, mais j'aime bien le dire à l'envers, ça change. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour une petite vidéo très courte qui va nous permettre de voir à la suite d'hier cet acharnement démoniaque que j'ai pour défoncer ce bateau spartiate. Voilà, je suis actuellement level 28 et on va voir s'il faut un petit peu plus que de ça pour arriver à pulvériser ce navire. Et éventuellement le récupérer d'après ce que j'ai pu comprendre à droite à gauche. Voilà. Voilà. Tout est paré, capitaine. Allons-y. Donc, reprenons. Donc on va essayer d'y aller un petit peu plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Non, ça c'est pas lui. Ça c'est absolument pas lui. Le bateau pirate à la con, quelconque. On aimerait qu'il soit tout seul en fait. Sortez les avirons! Ouais. Tant qu'il fasse demi-tour. Je pourrais le faire, ça en fait un de plus pour la mission, mais. Un tranchasse, cet enculé. Plus bas, plus bas. Je vous ai bousillé déjà les bateaux pirates. Ah ouais, c'est ça. Allez, on s'en va. Allez, je la ferme. Là, par contre, on a toujours les deux bateaux pirates. Alors, c'est là que les Athéniens atteignirent. Il est très bien armé. Il tient vraiment à l'attaquer. Sortez les rames! Ces débris pourraient être utiles. L'ennemi est prêt à tirer! Attention, réflexe! Il se prépare! Il est prêt! Aïe, aïe, aïe! Sortez la rame, là.
commence à faire tranquille, peut-être qu'avec un peu de chance, on va récupérer de la vie. J'ai pas compris là. Ah, ça commence bien. C'est cool. Alors j'en commence où du coup? Les temps de chargement, au secours quoi. Non mais vos gueules. Appel! Protégez l'enclavé!
il est prêt à tirer. Les rameurs ont besoin de récupérer. Malaka, ils arrivent droit sur nous. Commencez à ramer. C'est un petit butin hein, quand même. Préparez-vous à aborder. Suivez-moi. Ah ouais. Allez, allô.
Donc ça, c'est fait. Si on se termine avec l'énigme du cancre, ce sera très bien, parce que l'île est à côté. Voilà. L'énigme du cancre, qui, je vous le rappelle, est la partie où on récupère les énigmes mathématiques. Le nombre d'or, Pythagore et je sais plus quoi d'autre. De là, on va se débloquer un petit point de synchronisation et on pourra repartir sur l'histoire avec Kira, Podarkes et compagnie. Mais au moins, on a capturé le navire et ça, ça c'est bien. Pour avoir un petit peu maintenant, quelles améliorations ça peut nous apporter. Navire. Hop. Est-ce qu'on aura de nouvelles améliorations si jamais? Non, on n'a rien de nouveau. Mais on a un navire plus classe. Ravi de te revoir, capitaine. Ouais, c'est cool, c'est bien, je suis content. Qu'est-ce qu'on fait là? Ok, il y a des racards, d'accord. De poisson. Non, ça on veut pas. Parce qu'il m'emmerde en fait. Chaud sa mère. De toute façon, on n'est plus en zone de conflit. Donc je pense qu'on va faire un truc dans ce genre. Hop, hop. Ah, bon, je croyais que c'était sur l'île et tout. Comme ça, on va retourner finir ce qui se passe ici. Et ça sera très bien. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette courte petite bataille navale. Il y en aura d'autres qui seront peut-être au fil des lives, j'en sais rien. On verra bien. Et en attendant, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !